magnifique tournée électorale à travers ce vaste Congo procure Katumbi est plus fort que toute forme de peur ou d'intimidation. Ouvert. Ce samedi 16 décembre 2023, le numéro 3 de la République, le président Moïse Katumbi Tshapwe, prend la route qui relie Likasi à Lubumbashi pour la 34e étape de sa magnifique tournée électorale à travers ce vaste Congo qu'il s'apprête à diriger dans quelques jours. Malgré les intempéries, la pluie notamment, en dépit de l'orchestration d'un plan meurtrier à grande échelle pour perturber la manifestation, comme ce fut le cas dans plusieurs autres provinces, l'espoir que procure Katumbi est plus fort que toute forme de peur ou d'intimidation.
Lubumbashi, qui n'était qu'une étape formalité, puisque déjà acquise depuis bien longtemps, a plié sous l'impressionnant poids d'une aveuglante foule qui en a assiégé les artères principales, même si, à maintes reprises, le lieu du meeting a été changé par l'autorité. C'est la mythique place Moïse Tshombe, la place de la poste, qui a été demandée, mais c'est plutôt l'esplanade du bâtiment du 30 juin qui a été accordée. C'est là que, devant un peuple qui compte désormais les jours, avant la rédemption, que le prochain chef de l'État leur a parlé à cœur ouvert. Il est maïs, 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 il est maïs